Le scénario que je voulais à tout prix éviter est en train de se produire. Mais si elle n'a pas tué les jeux, si elle n'a pas tué Doxim, je suis prêt à la croire. Mais je voulais pas dans tous les cas, même avec n'importe quel personnage, même un chat, même si j'étais un chat que je devais la protéger, non, je le ferais pas parce que je l'aime pas, parce que l'histoire fait en sorte que je la déteste. Voilà. Mais je dois la croire, parce que... Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice, c'est aujourd'hui la suite de votre feuilleton Benjamin Hunter, Ace Attorney, Trials and Tribulations. Et oui, le titre a changé maintenant, nous ne jouons plus Phoenix Wright, mais Benjamin Hunter. Et pourquoi Benjamin Hunter, te dis-tu? Sans doute, toi le viewer qui est tombé sur cette vidéo, et bien tu dois regarder le premier épisode de l'affaire 4, non 5, on a l'affaire 5. La première partie de l'affaire 5 pour tout comprendre. Sur ce, le premier procès, qui est la tête du juge. Moi, je veux savoir la tête du juge. Ah bah oui, c'est le juge qu'on a vu une trentaine de secondes lors de l'affaire Masque de Masque, lorsque c'était le pseudo-enquêteur Mekui là, qui était accusé. Sauf que, voilà, faux raccord, déjà. Déjà, il y a un faux raccord. Hunter était à droite, on pourrait utiliser les sprites évidemment, sauf que là il est à gauche. Mais où est le procureur? On se le demande. Bon bah ça y est, épisode terminé en 3 minutes. Tranquille. Va mourir. Allez, on fait tout ressortir. Allez, salut Van Karma, comment ça va? Putain, ça sonne toujours très Pokémon le début. Pourquoi? Je ne cherche à comprendre. Tant qu'elle a trouvé la réponse à la question à quoi sers-tu en tant que procureur. Oui, qu'est-ce que tu veux? Non. Non. Non, un avocat de la défense rouge, ça ne court pas les rues, j'ai envie de te dire. Enfin, ça court les rues, évidemment, il y en a partout. Tout le monde sait que les avocats, c'est rouge, et les procureurs, c'est bleu. Hein, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Hein? Ah, Karma. Elle a le droit techniquement. Oula, ce un instant, c'est. Le un instant de Hunter par contre, il sature légèrement. Et là, il sature un petit peu. Ah, ils sont au courant que Godot est présent et là. Ah mon dieu. Là en fait, j'ai même plus peur. J'ai plus peur de Francisca. C'est con. Ah par contre ils ont fait un effet miroir pour les animations.
Bon, bah finalement, ça a duré 30 minutes de plus. Ça s'appelle une bande dessinée aussi, mais c'est pas grave. Donc, Elise. Ah, on a une photo. Très bien. Ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Ouais. La Sificito. Et ouais. Exactement. Parfait, je le prends. Trop de suspense. C'est censé être drôle, mais je peux pas rire. Je ris intérieurement, mais en vrai, je pourrais pas vous rire en face. C'est con. Oui, c'est blablabla. Voilà, elle est toute joyeuse. Oui, je sais, ça choque au début, hein, mais voilà, c'est un sobriquet. Oh là là, nouvelle expression. Le bikini ne fait pas la nonne. Sa version féminisée, peut-être. On ne sait pas. La traduction française, tout ça. Alors, tu as assisté au témoin. Oui, revenons-en. J'ai du mal à croire. Alors, raconte. Vas-y, c'est le moment. On attend ça depuis au moins 7 minutes. Enfin, bon, moi, j'attends ça depuis 8 minutes maintenant. Enfin, depuis que j'ai commencé à record, quoi. Et c'est ça, je dois aider une ici, blablabla. Ça se tient. Mais. Oui. Oui. D'accord. Elle a vu toute la scène. Ça, c'est important. Est-ce que tu peux décrire la scène, s'il te plaît? Ouais. Ah. Oh, hey. Joue pas avec moi. Tu vois ça avec moi, hein. Tu veux qu'on se fight, c'est ça? Ce soir-là, je devais aider, blablabla. Alors déjà, le mais est important. Le mais. Ce mais, trois petits points. Et c'est là qu'on enchaîne, vous voyez, on enchaîne. Oui. Et ça, c'est important. C'est important. D'accord. Je doute. Pourquoi tu... Elle souligne bien le fait que... Voilà, il n'y a pas de baignoire. Non, est-ce qu'on va avoir un petit sprite? Voilà, je l'attendais, le petit sprite.
Ouais. Ah ah! Eh, mais elle n'a pas ajouté de déposition! Mais c'est chiant! Faudrait qu'elle témoigne de ce stock, mais que pure coïncidence, oui! Ah ah, c'est drôle, c'est le lol. Oui, alors attendez, je réfléchis. Je réfléchis, laissez-moi réfléchir. Gérer ça. Ah ah, j'ai un truc. Alors je vais présenter le témoignage, même si je doute. C'était ça. C'était facile. C'était facile. Il n'y avait rien de dur pour l'instant. J'ai pas créé d'objection parce que... Petit doute. Oui, la grande patronne, etc. Et ouais. Where's the trigger? Where's the problem? Si elle a dit ça. Une accusée ou un témoin, ce blablabla. Oui, alors moi j'ai un témoin oculaire, sauf que le témoin oculaire, il est un petit peu à l'hôpital, tu vois. Mais je sais pourquoi en fait. Non, la défense a raison. Ah ah, tiens, mais ne serait-ce pas un retournement de situation. Bah voyons, je te crois. Oui. Très bien, vas-y, je suis chaud. Ah, les observations. Ah. Est-ce que tu peux détailler, j'ai un doute. Parti de ouf. Établi comme d'habitude. Mais le seule chose qui relie... Non, c'est le gaz. Mais la seule chose qui relie les habits et le seul habit que j'ai, c'est ce voile. Serait-ce un indice? Eh oui.
Ah, elle réfléchit. Ah ah. Greto. Tu comprends? Et oui. Est-ce que tu comprends? Elle a menti. Et si. Tu m'étonnes. Parce que quand tu découvres une contradiction, tu t'auto-suces la bite. Hein, t'as un petit regard d'ego là. Je crois. Évidemment, on couvre les arrières. Est-ce qu'il y a une étiquette sur le vol? Ce serait débile. Le doute. Allez, on recommence. Elle a dit ma soeur poliment. Ouh, c'est beau. Tant pis, les allégories. Les allégories, par contre, là. Alors là, le niveau augmente. Alors, 23h, pour ça qu'il fallait retourner. Oui, ça se tient. Un bruit provenant, j'ai cru provenait. Oulala. Et c'était. Ce sabre-là. Ah, intéressant. J'ai pas le plan précis de la zone. Tu m'étonnes. Pas du tout. Je rappelle que ces épisodes sont sponsorisés par le café. N'oubliez pas de prendre une tasse de café lorsque vous regardez ça. C'est bon le café, mais n'abusez pas trop. Moi, je vais juste boire de l'eau parce que il est tard. Magnifique bruitage de bouteille. Ah, tu es sorti du bain, c'est pas intéressant. Explique-moi. Pef. Oui. Pef. Allez, vas-y encore une fois. Est-ce qu'il neigeait? Est-ce qu'il neigeait? Non, il ne neigeait pas. Je regardais dans la cour et... Oh my god! Avec ce sabre-là, tu précises ce sabre-là. Déjà, moi, je veux savoir c'est quoi le sabre. Claire. Deviens Claire. Réflexion intense. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vas-y. Alors attention, je parie sur une révélation nulle. Elle n'avait pas de voile. C'est ce que je viens de prouver il y a à peine 5 minutes. T'en fous pas de ma gueule.
C'est nul. Elle est importante, ma gueule, s'il te plaît. Je vais le tâcher. Je vais le tâcher ton fouet. Tranquille. Tout bien réfléchi, on ne se portait pas son voile. Oui. Alors attends. Parce que. Ça m'interlope. Locke. Oui, tu en es sûr. Tu m'étonnes. J'en suis sûr, c'est cool. L'histoire du voile quand même me pose des questions. Je pose des questions. Ouais. Oui. Attends. 23h, tu dis. Le rapport d'autopsie. 22-23h. Ça se tient. Ça va, ça se tient. J'ai interrogé au moins là-dessus. Ouais, je l'ai interrogé. Oui. Si je présente le voile, ça va pas le faire. Non. Le voile a une importance. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est très complexe. Je vais devoir tout attaquer en fait là, hein, parce que j'ai pas l'idée. Bla 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 bla. Voilà. Alors, il faut réfléchir. Non, 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 dégage, non, dégage. Alors j'ai fait start, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai fait start, c'est ma faute, calmez-vous. Oui, elle a fait pef. Laissez-moi réfléchir. Je vous prie, s'il vous plaît. C'est blablabla, c'est blablabla. Alors, pourquoi tu as pensé d'ailleurs? Tranquille.
Et puis là, je t'ai déjà interrogé, ouais. Pef. Pef, 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 pef. Oui, oui, c'est le... Alors, si je présente le voile et qu'on me dit que c'est le voile... Si on me dit que c'est le... Alors... Je vais pas être content. Je vais vraiment pas être content si c'est ça. Non, je vais pas être content si c'est le voile. C'est pas le voile. Au moins, je suis rassuré. Je suis complètement rassuré. Alors, Sachisito, on y croit, c'est pas Sachisito. Oui, blablabla. Ah, c'est vrai qu'à chaque truc ça change, hein, c'est lourd. Bon, non, il faut arrêter de faire de la merde, c'est bon, on se calme. Arrêtons de faire du caca. Arrêtons de faire du caca. Je sais pas. Ah si. Ah, attends, attends. Attends, 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 attends. Là, ça a parlé de... Elle a dit à peu près un étage. Comment elle sait ça, en fait? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ça se trouve, c'est pas ça. C'était ça, putain. C'était ça. C'était... Pourquoi? Non, mais je cherche encore à comprendre pourquoi. Là, j'ai du un peu de mal à comprendre, j'avoue. J'ai un peu piffé. Ah, attends. Pardon, Hunter. Excuse-moi. Je n'ai pas suivi. Attends. Après le décès, c'est le mot. Après, d'accord. Ok. Ah, mais ça... Mais c'est pas le... Putain, c'est pas le bon sens. C'est pas le bon sens, arrêtez les faux raccords. D'accord. Ça se tient. Ça se tient. Tellement. Ça se tient plus. Et oui, alors... Karma, vas-y dis-moi, je suis sûr qu'il y a aller. Hein. Te fous pas de ma gueule. Quand on retire l'épée. Ouais. Donc, si... Alors, pro tips. C'est vraiment sérieux. Si jamais, un jour, je ne sais pas, vous avez quelque chose de planté, ne le retirez pas. Je vous l'explique. Ne le retirez pas du tout. Ça pique, mais ne le faites pas. Sinon, c'est le décès en moins de... 2 minutes. Je crois que c'est 2 minutes, il me semble. Putain, on aurait fait un slam de 3 mètres de haut avec la victime embrochée sur le Sachisito de 3 mètres de haut. C'est tellement métal. T'embroches le terrain et BAM! Suicide de 3 mètres. Oh, encore. La varie. Je te vois. Thank you.
neige pas. Le grand massage. Oui, avec le fouet. On l'a tous vu. On l'a tous senti, hein. Le petit massage au fouet. Je sais pas si c'est bon pour la santé, mais je suis tenté d'essayer si le fouet, vous le faites pas trop dur. Ah, déjà la musique a changé. Mais ça, on était déjà en place. Ah, ça change tout. J'ai rien compris. Quoique, attends. Ouais, il y a quand même un petit truc qui se contredit légèrement. Va falloir que je... Ouais, parce que là, t'es en train de me dire que la lame était toujours... Mais non. Ben voyons, je veux les voir. Il faut insister. Il faut insister. Ah bon, retirer le sachet si tôt. Ah ouais. Il est sorti. Enfoncez je. Je vous vois un peu de ma gueule là. Alors, les enfants, notion d'armerie. La garde, c'est la poignée. Donc techniquement, ça voudrait dire que du bout du sachet Cito jusqu'à la garde, c'est-à-dire jusqu'à la fin du verre, ça devrait être taché de sang. Seulement, là t'es en train de me dire que elle s'est carrément fait empaler et puis on l'a retiré. C'est pas possible. Je suis pas d'accord. Totalement pas d'accord. Monsieur le juge, éclairez-moi. Ah, ça par contre c'est un portable qui vibre. Ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. N'oubliez pas la qualité, le professionnel, tout est là. Par contre je ne vois plus le texte depuis 14 secondes. Voilà. Mais en vrai, en douceur, c'est à dire tu sens bien tout qui est en train de se casser. Et oui, parce que regardons ensemble. Putain, vous avez refait le fort quand j'en ai marre. Eh bien, regardez cette lame. Oh là, calme-toi. Oui, mais tu as un fouet. Le coup dans les couilles, tout le monde le connaît. C'est bon, Francesca, calme-toi. Ah, attends, là t'es les couilles. Ça c'est chaud. C'est vrai. L'intensité. Eh oui. Un effet bougeant, ça fait pshhh. Voilà. C'est comme quand t'enlèves le bouchon d'une bouteille de champagne. J'ai que ça comme comme idée, comme comparaison. Yes, y'a. Spéculation que tu connais. Non. Non, tu m'auras pas. Et oui, une autre est décisive, c'est le mot.
Ah ah. Eh oui. Eh oui, mon gars. Qu'est-ce que tu as? Elle est pas sur une chaise, elle est sur deux caisses, par contre, Bikini. Hein, je tiens à le dire. Je vais te le dire. C'est pas le... Voilà, je pensais... Et oui, je parie sur... De la neige. Ou une branche. C'est totalement débile, mais c'est possible. Alors. Voilà, comme ça. Elle semble... Cependant, il y a un problème. Et oui, regarde, oh c'est magnifique cette pose. Et mais il semblerait-il que non. Et non. En ce cas, je me réponds à une question. Une question, oui. Une question. La question qui va tout changer dans cet épisode. Et ouais. Ah ouais, ouais. Ah ah, oh, c'est bizarre ça, c'est étrange. On n'est pas du tout sorti, oui. Oh, elle s'est rappelée de quelque chose. Peut-être ce qui s'est passé. Oui, c'est-à-dire. Révélation de ouf dedans. Et c'est un triple coup de fouet. Est-ce qu'elle a vu des éclairs? Ce qu'on appelle... Ah, un motoneige. Ça parle mal. Oh, ça parle très très mal, hein, je suis désolé. Ouais. Ok. Ouais, mon contre-interrogatoire, ouais. J'ai des doutes. Ça, je m'en fous. Je crois qu'ils ont... Après avoir deux... Après, attendez. Et après avoir demandé qu'on appelle... Ah. Non, j'ai juste encore mal lu. Voilà. Et ça, c'est important parce que motoneige... non, reviens en arrière. Reviens en arrière. Voilà. Parce que le mot motoneige était en orange. Elle a pas bougé, donc. Ouh. Incroyable. Mais est-ce que ça peut être utile? Nous allons insister dessus.
que je veux dire. Ce que je veux dire. Hein? C'est pourtant évident. Et ouais. Ce qui veut dire que non seulement la neige aurait fondu, mais en plus, elle aurait fondu. Et oui. Ah ouais, ouais, ouais. Maintenant qu'il vous en parlait, il n'y avait pas de... débile. Ça y est, je commence à pas t'aimer. Je commence à te détester. T'es au courant? Il faut modifier le profil de la motoneige. Ça veut rien dire. Il faut modifier le profil de la motoneige. Eh bien non, parce que tu viens de te tuer. Eh oui, mon gars, regarde. Elle est où? Eh oui, parce que non seulement tu viens de te faire voir, tu as dit que la motoneige n'avait pas de neige dessous, ce qui veut dire qu'elle n'a pas été utilisée, ce qui fait que ce n'est pas possible. Merde, c'était pas le bon bouton. Bon bah bref, t'as tort. Cependant, attends, je n'ai pas fini. Et voilà, ça fait une trace. Il devrait y en avoir deux. À moins de faire exactement les mêmes traces, ce qui est impossible, je doute. Un peu facile, hein. Un petit peu facile, hein. C'est un petit peu facile. Alors attends. Attends, excuse-moi, hein, parce que voilà, Phoenix Wright, hein, de son généreux nom, m'a donné ceci. Regardez. Oui, parce que regardez, ce bulletin météo est vraiment très intéressant. Parce que voilà. Oui, c'est ça. C'est pourtant évident. C'est une évidence évidente. Hein, n'est-ce pas? Regardez bien ce bulletin météo. Prends ça! Vas-y, dis-le-moi. Oh, quel dommage. Bon, gardez cette heure en tête et consulte ce bout de papier. Très important, le bout de papier. Il y a des choses marquées dessus. Le bulletin météo, exactement. Putain, tu sais lire. C'est incroyable. Ça fait tilt. Je crois que ça fait tilt. Ça fait tilt. Ouh, tu commences à parler mal, le juge. Tu fais des petites références. Oh, ça me parle mal. Ça, par contre, ce sont des bruits de volets. Voilà, vous entendez des bruits extérieurs, c'est la vie. Notre prévision et bulletin. C'est possible. C'est possible. Ah, j'avoue, c'est possible. Elle a eu de la chance. La chanceuse.
Allez, maintenant tu sais comment se sent Wright quand il est dans ce genre de situation. Reste en poli. Non, je suis un optimiste. C'est pas la même chose. Eh bien, la preuve, c'est cette magnifique photo du crime. Regardez bien où se trouve la neige. Je le demande. J'ai envie de te dire, prends ça! Et voilà. Ah, c'est la question intéressante. Eh bien, la photo va nous le dire. Je veux apparition de la photo. Regardez bien. Tout sauf une chose. Oui, maintenant le corps est une chose. Hein. La victime. Elle fait flash avec du bruit et de comment ça s'appelle ? Du tremblement sur la photo. Oh là là là. Ça fait peur. Le doute. Attention. Oh mon dieu ! Révélation ! Trop de révélations. Toujours plus de révélations. Ma théorie, j'en ai pas du tout. Voilà, et qui aurait... je ne sais pas fait quoi. Puis ensuite, elle est revenue dans l'autre direction, voilà. Et oui. Non, tu fermes ta gueule. Ouais. Du coup, des mystères commencent à s'intensifier. Tandis que peu laisse place à la lumière. C'est beau. Oui, ça se tient pour le moment. Elle n'a pas vu la montagne. Comme ça, tu fais quand même un petit peu attention. Ah, bah putain, oh, ça change tellement de choses. Putain, t'es en train de tout casser ce que j'ai mis en place là. Tu te rends compte que ça va être énervant? Non, tu te rends pas compte. Non, tu peux pas, t'es pas dans le business. Si elle est là, c'est pour quelque chose quand même. Ah, ça m'énerve. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Évidemment, sinon ça servira à rien. Tu m'étonnes. Toute cette mécanique. Je pense, ouais aussi. Surtout qu'elle m'énerve maintenant. Un témoin. Mais ça se trouve, il y a un témoin, n'est-ce pas? Hein? Je suis sûr que Von Karma a la réponse. Alors, si franchement vous savez pas de quoi je parle, c'est que... Regardez la partie 2 de l'enquête.
Voilà, un idiot, voilà. Là, il y a un indice, vraiment. What? C'est devant vous. Allez, Hunter, un indice. Hunter. Allez, vas-y. Allez, il est en train de le dire. Eh oui. Eh oui. Quelqu'un. Eh ouais. Mais quel est cet idiot? Oh là là! Peut-être est-ce Detective? Je fais extrêmement mal. Ou bien alors, c'est Francisca qui était là. Mais en fait, ce serait Paul des Fesses. Moi, je n'aime pas faire prendre ça. C'est évidence. Oh, Auguste Leblanc. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est trop, c'est un beau peintre. C'est compliqué. C'est ton artiste. Elle cherchait les paysages enneigés pour inspirer sa créativité. Une chose incroyable. Mais non, ce n'est pas la bite. Immédiatement. Non, en fait, t'as pas le choix. Paul, tu me caches des choses. Allez, il va falloir tout me dire. Ça va être cool. Ah, c'est la pause. Ouh, c'est la pause. À suivre. Bon, petit récapitulatif. C'est dur. C'est dur. Je dis pas très dur, mais c'est dur. Je bafouille pendant tout cet épisode, c'est génial. C'est dur. Bon, première des positions, facile. La deuxième, par contre, il fallait lire le mot après. Voilà, c'était compliqué. Le truc avec le Sashi Sito, easy. Où se trouve l'âme, par contre, là, c'était un peu. Alors, la motoneige, ok, ça c'était dit. Par contre, faire la relation avec. Le meurtrier qui a jeté l'arme et qui est revenu sur les jeux de traces, hein, c'était un peu chaud. Du coup, on a le fait que Bikini aurait peut-être vu Iris tuer Elise. Sauf que c'est pas ça. Et donc, Paul aurait peut-être vu ce qui se serait passé au niveau du pont du néant. Au même moment qu'au temple Asakura, je crois. Je ne sais pas, je ne lis pas. Bah voilà. Bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, les likes, les commentaires, le partage, tout ça. Si c'est la première vidéo que tu regardes, toi le viewer, le nouveau viewer qui est tombé dessus par hasard en cherchant je ne sais quoi à propos de Phoenix Wright Trials and Tribulations, regarde donc ce que les autres vidéos que je te propose et qui sont sur ma chaîne. Et si ça te plaît, oui j'ai fait une faute, c'est qui sont sur ma chaîne, mais je t'en. Voilà. Qui sont sur ma chaîne. Et si c'est le cas, eh bien abonne-toi pour ne louper aucune vidéo. C'est une vidéo par semaine au moins maintenant. Et de me suivre sur Twitter @reus1. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine.